ami, ami, tout passe. Seul il demeure et dans sa grâce, dès nous jamais il ne s'élasse. À celui qui nous a lavés pour écouter la parole.
s'il y a un chant encore. On a que le prédicateur. Pas un grand groupe, un petit groupe. C'est lui qui est. Ok, le prédicateur, il est prêt. Roc sécure. Voici, Seigneur, tu sais mes cheveux. Bonjour. So, wonderful day, isn't it? C'est un jour merveilleux, n'est-ce pas? To see God's children, de voir les enfants de Dieu gathered together in unity, qui sont unis dans l'unité, worshiping the one and only true God, rassemblés dans l'unité, adorant le seul vrai Dieu. Living and following the message that God has sent to us. Vivant et suivant le message que Dieu nous a donné. To prepare us for our soon leaving. Qui nous prépare pour un départ très proche. In the church world today. Dans le monde de l'Église aujourd'hui. The denominational world. Le monde dénominationnel. They preach a gospel. Il prêche l'évangile. That helps people to stay in this world and to live in peace in this world. Qui aide les gens à rester dans ce monde et vivre en paix dans ce monde. How to accept the problems of this world. Comment accepter les problèmes qui leur arrivent dans ce monde. But the message that we have. Mais le message que nous avons. Is not a staying message. Ce n'est pas un message. It's a living message. C'est un message vivant. Amen. Our message. Amen. Notre message. Is to prepare us. C'est ce message qui nous prépare. To leave. Pour l'enlèvement. I don't want to stay. Moi, je ne veux pas rester ici. I want to leave. Je veux quitter cette terre. Amen. Amen. God has sent us. Dieu nous a envoyé. Something that will take us from this world to the world on the other side. Quelque chose qui nous amènera de ce monde ici à ce monde de l'autre côté. Amen. I'm grateful for that. Nous sommes reconnaissants pour cela. I'm in this journey with you. Je suis dans ce voyage ensemble avec vous. And I can't make it without you. Je ne peux pas y aller sans vous. Amen. We're going to make it together. Nous allons partir ensemble. Amen. So that's our great heart's desire. C'est cela le désir de notre cœur.
Amen. I want to say that I was extremely impressed. J'étais extrêmement impressionné by the labor of love. Par le travail de l'amour. That I saw in so many people. Que j'ai vu dans beaucoup de gens. The sisters cleaning last night. Les sœurs qui lavaient l'assemblée ici hier la the nuit. The brothers laboring and working. Les frères qui étaient ici en train de travailler si durement. All the effort of love that went in. Tout l'effort et tout l'amour qu'ils ont donné. To making this day happen. Pour que ce jour soit comme il est. I'm moved. Ça m'a vraiment dépassé. And I know the Lord has looked upon each of your lives. Et je sais que l'Éternel regarde chacun de vos vies. And he will bless you for it. Et Dieu vous bénira richement pour cela. There's not enough good words that I can say about your pastor. Il n'y a pas assez de bons mots que je peux dire sur votre pasteur. The first Congolese believer came to my church about 10, 12 years ago. Le premier croyant du message congolais qui est venu dans mon église il y a 12 ans, 13 ans passés. And they came from this ministry here. Ils sont provenus de ce ministère ici. And I saw in them people that were well taught. J'ai vu en eux des gens bien enseignés. That believed the word of God. Qui croyaient en la parole de Dieu. That had a spirit dedicated to the Lord. Ils avaient un esprit dédié au Seigneur. And as many others began to come. Et comme beaucoup d'entre eux ont commencé à leur rejoindre. Most of the believers from this congregation. La plupart de croyants de cette congrégation. I saw the same quality in each of them. J'ai vu en chacun d'eux les mêmes qualités. And to me, that was the greatest testimony. Et pour moi, ça c'était le plus grand témoignage. Of our brother's labor of love. Du travail de notre frère. And I was a beneficiary. Et moi, j'étais le bénéficiaire. Of the gospel that he preached. De l'évangile que lui a prêché. The things that he stood for. Les choses pour lesquelles il s'est tenu ferme. And to me, that's the greatest testimony of his ministry. Et pour moi, c'est le plus grand témoignage de son ministère. That it could be transferred from the pages of these books. Que cela ait été transformé de pages de ce livre. From the pages of this gospel. Des pages de cet évangile. Into the lives of people. Aux vies des gens que nous pouvons voir. That is a ministry of God. Ça, c'est cela le ministère de Dieu. Amen. Amen. I'm extremely impressed by that. Je suis très impressionné par cela. Many people can speak with great and powerful words. Beaucoup de gens peuvent se tenir ici et parler avec de grands mots, de mots très puissants. But there's few men that can touch the hearts and souls. Mais il y a très peu de gens qui peuvent toucher le cœur et toucher l'âme. Of people and can by the preaching of the gospel. Et par la prédication de l'Évangile, transform them into true sons and daughters pour transformer les gens à devenir des vrais fils et filles de Dieu. And to me, et pour moi, that's what impresses me. C'est ce qui m'impressionne, moi. The building is wonderful. Le bâtiment est beau. I am a builder myself. Je suis un architecte moi-même. And I can see the great architecture. Et je peux voir une grande architecture ici. And I can understand the effort and the money that it takes to build. Je peux comprendre l'effort que ça demande et l'argent que ça demande pour construire quelque chose de comme ça. But the heart of the believer. Mais le cœur des croyants. Is only something that can be touched by God. C'est quelque chose que Dieu seul peut construire. Amen. And that's what we desire. Et c'est cela notre désir. Is to be touched by God. C'est d'être touché par Dieu. Amen. I'm not a man of great enticing words. Amen. Je ne suis pas un homme avec de grandes paroles. I'm a simple person. Je suis une personne simple. I never graduated from high school. Je n'ai jamais fini les études secondaires. But God called me one day. Mais Dieu m'a enseigné un jour. He took me from the depths of sin. Dieu m'a tiré de la profondeur du péché.
from a life lost, d'une vie complètement perdue, to a life of no hope, une vie sans espoir du tout. And he put a joy in my heart. Et il a mis sa parole dans mon cœur. He gave me the promise of a land beyond the river. Il m'a donné la promesse d'un pays au-delà de la rivière. He gave me the gift of eternal life. Il m'a donné le don de la vie éternelle. And how can I ever thank him? Et comment je peux le remercier assez? For the power of the blood. Pour la puissance du sang. We are truly a blessed people. Nous sommes réellement un peuple béni. Amen. Again, this morning, I would like to speak to you from my heart. Encore une fois, ce matin, j'aimerais vous parler de mon cœur. We've heard many great sermons over the last days. Nous avons entendu beaucoup de prédications ici, les jours qui sont passés. The temple, sur le temple. How God has had a temple. Comment est-ce que Dieu avait un temple? And talking about the people and how that they are the temple. Et parlant de son peuple, comment son peuple est son temple. And we know these things. Et nous connaissons toutes ces choses. And we're grateful for these. Et nous sommes reconnaissants pour tout cela. We're grateful for the election that God has given us. Nous sommes reconnaissants pour l'élection que Dieu nous a élue. And I know this morning. Et je sais que ce matin, because I walked over the building, parce que moi j'ai marché tout autour du bâtiment, that there's many people sitting on the outside. Qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi assis en dehors. Back behind the walls, derrière là vers le mur, people sitting on benches. Les gens sont assis dans des bancs. Over here there are people sitting on benches. De ce côté, il y a des gens assis sur des bancs. That may not be able to see me. Peut-être qu'ils ne sont pas capables de me voir. But I want you to know my heart is with you. Mais je veux que vous sachiez que mon cœur est avec vous. That you're a part of what that we're saying. Que vous faites partie de ce qu'on était en train de dire. And you're just as important. Et vous êtes assez important. Those that are sitting on the front row. Vous êtes aussi important que ceux qui sont assis devant ici. And we need you. Et nous avons besoin de vous. To pull. Pour que vous tirez aussi. And to pray. Et que vous priez avec nous. And to worship. Et que vous adorez avec nous. And to be a part of us this morning. Et que vous soyez aussi partie de nous ce matin. So I want you to know that we're mindful of you. Alors je veux que vous sachiez que je pense à vous. And as we speak, you are in our heart. Et pendant que nous parlons ici, nous vous portons dans notre cœur. Amen. Amen. God bless you this morning. Would you stand with me? Ce matin, tenez-vous debout avec moi, s'il vous plaît. Here's my water. And we're going to turn in our Bibles to. Nous allons tourner dans nos Bibles. The book of Genesis. Dans le livre de Genèse. And read in the 13th chapter. Nous allons lire le verset 13. And the 5th verse. Le verset 5. Chapitre 13, verset 5. And we'll have our brother read, and I'll read along with him. Go ahead. Et notre frère va lire directement en français. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Yeah, just keep reading. From 13, 5. Chapitre 13, à partir du verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. 7. Il y eut querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Jusqu'à 15.
Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se parèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, « Après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Amen. Amen. Let us pray together. Prions ensemble. Our gracious Heavenly Father, notre gracieux Père Céleste, we have assembled here this morning. Nous nous sommes rassemblés ici ce matin. You set our hearts before your word. Pour apporter nos cœurs devant ta parole. Lord, and to ask that your word, Seigneur, je demande que ta parole would speak to both our hearts and our minds. Puisse parler à nos cœurs et à nos pensées. That we can ever more know. Que nous puissions connaître plus. Our position in you. Notre position en toi. What that you have for our lives. Ce que tu as pour nos vies. And Lord, what it is that you're doing. Et Seigneur, qu'est-ce que c'est que tu es en train de faire? We ask you to reveal yourself this morning. Nous te demandons de te révéler ce matin. In Jesus' precious name we pray. Dans le nom pray. Précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. God bless you this morning. Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous pouvez vous mettre. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas le français? Ok. Can everybody hear me? I'm soft. I'm sorry. No, just for the French. Okay. When you look at this story, quand vous regardez cette histoire, and we realize that Abraham is the father of our faith. Nous réalisons qu'Abraham est le père de notre foi. So Abraham's faith, alors la foi d'Abraham, the revelation that he had, la révélation qu'il avait, what made Abraham act the way he acted, c'est ce qui a poussé Abraham d'agir de la manière qu'il a agi. And think the way he thinks. Et penser de la manière qu'il a pensé. The decisions that he made. Les décisions qu'il a prises. And the choices that he made. Et les choix qu'il a fait. Came from the faith that he possessed. Tout cela provenait de la foi qu'il possédait. It came from the understanding that he had in his heart and his mind of God. De la compréhension qu'il avait dans son cœur et dans sa pensée sur Dieu. He knew it was God that told him to sojourn. Il savait que c'est Dieu qui l'avait demandé de quitter. He knew it was God that gave him the promises. Il savait que c'est Dieu qui lui avait donné la promesse. And Abraham's faith was based on the very principle that he knew that God was able to perform what he promised. Et la foi d'Abraham était basée sur le principe qu'il connaissait bien que Dieu va accomplir ce qu'il avait promis. So when you look at this story, alors quand vous regardez cette histoire, it looks like Abraham got the wrong side of the deal. Ça paraît comme si Abraham avait choisi la mauvaise terre. It didn't seem like the agreement went in the favor of Abraham. C'est comme si cet arrangement ici, ce n'était pas pour la bonne cause d'Abraham, but en faveur d'Abraham. Abraham having the nature of his father. Mais Abraham ayant la nature de son père. His father God. Son père Dieu. He simply said to Lot. Il a seulement dit à Lot. You choose. Toi choisis le premier. You go. Toi vas-y. But we're going to separate. Mais nous devons nous séparer. And he
Looked out, Lot looked out. Alors Lot regarda tout le terrain. And he picked the best grass. Et il a choisi le meilleur. He picked the best water. Il a choisi les meilleures eaux. He picked all the flat land. Il a choisi toute la terre pleine. He chose everything. Il a choisi tout. That was good for him. Qui semblait bon pour lui. And it looked like Abraham was just left with nothing. Et c'est comme si Abraham était resté avec rien du tout. But I always appreciated this. Mais moi, j'apprécie toujours ceci. After the separation. Après la séparation. After it looked like, what was he going to do? Après le temps où il se trouvait comme si, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? It's like I said the other day. C'est comme j'avais dit l'autre jour. There was another reality. Il y avait une autre réalité. The father came to Abraham. Le père est venu vers Abraham. And he said, Abraham, walk with me. Il a dit, Abraham, viens, marche avec moi. He says, look to the north. Il a dit, regarde au nord. Look to the south. Regarde au sud. Look to the east. Regarde vers l'est. Look to the west. Regarde vers l'ouest. And as he looked east, et pendant qu'il regardait à l'est, he saw that was the land that Lot took. Il a vu que c'était la terre que Lot avait pris. But God looked at Abraham. Mais Dieu regarda Abraham. He said, all that thou seest, il dit, tout ce que tes yeux peuvent voir, I give to thee. Je te le donne. Amen. God had a plan. Amen. Dieu avait un plan. And God's plan is, I want to fellowship with you this morning. Et le plan de Dieu, c'est sur cela que je veux communier avec vous ce matin. From my heart, I want you to understand this principle of God. De mon cœur, je veux que vous compreniez ce principe de Dieu. Because I believe it'll help you. Parce que je crois que cela va vous aider. And it'll help me. Et ça m'aidera aussi. That if we understand that God has a way of doing things. Pour que nous comprenions que Dieu a sa manière de faire les choses. And God never changes the way that he does things. Et Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. He can't change his mind. Il peut pas changer sa pensée. Because his choice is correct from the beginning. Parce que son choix est correct dès le début. And God chose. Dieu choisit. Separation. La séparation. Separation is a way that God chose to do things. La séparation, c'est la manière que Dieu choisit pour faire ces choses. We find in the book of Genesis 1 and 3. Nous trouvons dans le livre de Genèse 1 et 3. Genesis 1 and 3. Genèse 1 et 3. Says we find that there was darkness on the earth. Nous trouvons qu'il y avait le ténèbre sur la terre. And the Spirit of God moved upon the water. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And he said, et il dit, let there be light. Que la lumière soit. And there was light. Et la lumière fut. And God saw that the light was good. Et Dieu vit que la lumière était bonne. And God separated the light from the darkness. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. And so the word of God began to separate the light from the darkness. Alors la parole de Dieu commença à séparer la lumière d'avec le ténèbre. He's been separating the light from the darkness from the beginning. Dieu avait commencé déjà la séparation entre la lumière et le ténèbre depuis le commencement. And so does it remain till this day. Alors ceci demeure ainsi jusqu'en ce jour. So from the very beginning, alors depuis le commencement de toutes choses, the first move that God made, la première action que was Dieu separation. Dit, c'était la séparation. It was to separate, c'était de séparer, light from darkness, la lumière d'avec le ténèbre. And to this very day, he's still separating light from darkness. Jusqu'en ce jour même, il continue à séparer la lumière d'avec le ténèbre. He never changes. Il ne change point. So he still is using
separation. Alors il utilise toujours la séparation. And if we can understand that, si nous pouvons comprendre cela, if we can understand this is the way that God does things, si nous pouvons comprendre que ceci c'est la manière d'agir de then Dieu, we will understand the things that lie ahead of us. Alors nous allons comprendre les choses qui nous attendent dans les jours à venir. Understand the things that are in our future. Nous allons comprendre les choses dans notre futur. Until we come to that time of the final separation. Jusqu'à ce que nous arrivons à ce point-là de la séparation. When we're separated from this world. Où nous allons nous séparer de ce monde. And we go to that great temple. Alors nous irons tous dans ce grand temple. We even find when Jesus was 12 years old. Nous trouvons même que quand Jésus avait 12 ans, that he was in the temple. Il était dans le temple. And Mary found him there. Alors Marie alla le trouver là. Marie akutana kina yekuna. She found him in the temple. Elle trouva Jésus dans le temple. Akutaki sur la temple. And she looked at him. Alors elle lui regarda. Bon batala kiyé. She said, et elle dit, Talobaki, where have you been? Où étais-tu passé? Okene kiwapi. And your father. Moi et ton père have been seeking you with tears. Nous t'avons cherché partout avec des larmes. And that wasn't true. Et ça, ce n'était pas vrai. Because Joseph wasn't his father. Parce que Joseph n'était pas son père. If Joseph was his father, si Joseph était son père, he would have been with Joseph. Il allait rester avec Joseph. And he would have been about Joseph's business. Alors il allait prendre soin des affaires de Joseph. But God was his father. Mais c'était Dieu qui était son père. And he was about his father's business. Et il prenait soin des affaires de Dieu. And so there was something that was error. Alors il y avait quelque chose qui était en erreur. Et là comment que c'est qu'on a yalibunga. Something that wasn't truth. Quelque chose qui n'était pas la vérité. Et là comment que c'est qu'il y a soloté. And we realize. Alors nous réalisons. Ton salut comment là. The word of God. Quand en lui la parole de Dieu. So the word of God is always corrective. La parole de Dieu est toujours corrective. And it's always right. Et la parole de Dieu a toujours raison. Now, don't misunderstand that. Mais non, ne jugez pas cela mal. La correction does not mean to punish. Ne veut pas dire la punition. Correction means to change your direction. La correction veut dire changer votre direction. To correct the path that you're taking. Correcter la voie que vous étiez en train de prendre, la corriger. And turn you. Vous tournez au balouki. And to point you et vous pointez in the right direction. Vers la bonne direction. So he immediately had to correct the error. Alors Jésus devait corriger cette erreur immédiatement. And the word of God will correct every wrong always. Alors la parole de Dieu corrigera toute erreur à chaque instant. Now that means very much to me. Cela a beaucoup de signification pour moi. Because I realize. Parce que moi j'ai réalisé. That the word of God. Que la parole de Dieu. Fixes the wrongs. Fixe la l'erreur. Dans nos vies. The things that are wrong in my life. Les choses qui sont fausses dans nos vies. Maybe things I don't have control of. Peut-être que les choses sur lesquelles j'ai pas un contrôle. And
When I say wrong, quand je dis que ces choses-là sont fausses, I don't mean sin. Je ne veux pas dire le péché. I don't mean evil. Je ne veux pas dire seulement c'est le mal. I mean things that aren't right. Je veux dire les choses qui ne sont pas bonnes. Maybe there are things I don't even have control over. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles moi je ne contrôle même pas. Circumstances I find myself in. Les choses dans lesquelles je me retrouve moi-même. Things that have happened to me. Les choses qui me sont arrivées à moi. Even things that other people. Même les choses que d'autres personnes ont fait contre moi. It's just not right. Alors ces choses-là ne sont juste pas bonnes. Alors moi j'ai trouvé que nous avons une promesse. Parce que la parole de Dieu nous a été révélée. Right. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu arrange toutes choses. That's how powerful the word of God can be in your life. C'est ainsi puissant que peut être la parole de Dieu dans votre vie. Restez avec la parole de Dieu. God's word fixes all what's wrong. La parole de Dieu réparera tout ce qui est faux. Always. Toujours. Amen. And so we find that God, when he was going to separate light from darkness. Alors nous trouvons que Dieu quand il va séparer la lumière d'avec le ténèbre. Our messenger taught us that God separated light from darkness because he was going to use the earth. Le messager nous a enseigné que l'Éternel sépara la lumière d'avec le ténèbre parce qu'il allait utiliser la terre. Et la terre était dans un ténèbre profond. So God always works the same way. Alors Dieu travaille toujours de la même manière. So if he's going to use something. Alors s'il va utiliser quelque chose, then he's got to first separate it. Alors il doit d'abord séparer. He's got to separate the darkness from it. Il doit d'abord séparer le ténèbre d'avec cette chose-là. Because he chose to use separation. Parce que Dieu a choisi d'utiliser la séparation. The scriptures could have read. L'écriture qu'on pouvait lire. God allowed the water to evaporate. Dieu permit que l'eau puisse évaporer. Nzambe apesa kinzere temai enangwa. The scripture could have said. L'écriture pouvait dire. That God allowed the earth to rise up out of the water. Que Dieu permit que la terre puisse sortir des eaux. Nzambe apesa kinzere temai ebima uta na mabina. Mais ce n'est pas cela la méthode que Dieu utilise. Nzambe asaela kibongote. Separation. Il a choisi la séparation. And because he chose separation. Et parce qu'il a choisi la séparation. Still to this day. Jusqu'en ce jour. Works by separation. Il travaille toujours par la séparation. And God spoke that the water was separated from the land. Et Dieu parla et les eaux se sépara de la terre. So he had a reason for that. Alors il avait une raison pour cela. Azalaki nantina ya kosala bongo. He had a purpose. Il avait un but. In separating, en séparant, the water, les eaux, and the land, avec la terre. He had a purpose. Il avait un but. For separating the darkness and the light. De séparer le ténèbre d'avec la lumière. I would like to read this statement. J'aimerais lire cette déclaration. God never speaks a word unless he's got a reason for speaking that word. Dieu ne prononce pas une parole à moins qu'il y ait une raison pourquoi il le dit. Nzambe abimisaka liloba te bobele tina moko ezala oya kobimisela liloba yango. God speaks every word with a meaning. Dieu prononce chaque parole avec une signification. Nzambe abimisaka liloba moko na moko nantina. And there's something that he is trying to achieve. Et il y a quelque chose qu'il essaie d'accomplir. Et ça, il est comme quoi, ça lui colle au cacocoma na yango.
And will achieve it by his word. Et il l'accomplira par sa parole. And it will perform exactly what he said it will do. Et cela fera exactement ce que lui Dieu a dit que ça fera. So every word that God speaks. Alors chaque parole que Dieu parle, il a un objectif. He has something that he wants to achieve. Il a quelque chose qu'il veut accomplir. Now this morning I trust that you will join with me now. Maintenant ce matin, j'espère que vous allez vous joindre à moi. Et rendre ceci personnel. You've received the word. Vous avez reçu la parole. I'm sitting here this morning with believers. Moi, je suis ici ce matin avec des croyants. And we've received a word. Et nous avons reçu une parole. The word was spoken in our day. La parole qui a été parlée en notre jour. And there was something that God wanted to achieve. Et il y avait quelque chose que Dieu voulait accomplir. By the word that he spoke. Par la parole que lui a parlée. So when he spoke to you as an individual. Alors quand il t'a parlé comme individu. To my brother and sister in the farthest corner. À mon frère et à ma sœur qui est au coin loin là. When God spoke to you, quand Dieu te parla, there was something that he wanted to achieve in you. Il y a quelque chose qu'il voulait accomplir en toi. So our brothers and sisters on the outside. À mes frères et mes sœurs qui sont dehors. When God spoke his word, quand Dieu parle sa parole, there was something he wanted to achieve in you. Il y a quelque chose qu'il veut accomplir en toi. Parce que Dieu ne parle pas sa parole sans un but. I'll try. So we find that. Alors nous trouvons. God said, "Let there be light." Dieu dit que la lumière soit. We didn't know what light was. Nous ne savions pas c'est quoi la lumière. Could you imagine today? Vous pouvez imaginer aujourd'hui? How many explanations? Combien d'explications? We would get from all the ministry in the world. Nous allons aujourd'hui recevoir de tous les ministres dans ce monde. On what light was? Sur la signification de la lumière. I can even imagine my own explanation. Je peux même imaginer ma propre explication. But I know one thing. Mais je sais une chose. My interpretation of the word would be wrong. Ma propre interprétation de la parole sera fausse. Because God is his own interpreter. Parce que Dieu est son propre interprète. So when he said, "Let there be light," alors quand il a dit que la lumière soit, he already knew what light was. Il savait exactement c'est quoi la lumière. He totally understood what light was. Il avait compris parfaitement c'est quoi la lumière. Light was already in his mind. La lumière était déjà dans sa pensée. Mais la parole, c'est une pensée exprimée. Alors quand il dit que la lumière soit, then there was light. Alors la lumière fut. And that light was the thought of God expressed. Cette lumière-là, c'était la pensée de Dieu exprimée. That's what light was. C'était ça la lumière. So we understand that when God speaks a word. Maintenant nous comprenons que quand Dieu prononce une parole, and that word comes to pass. Et cette parole là s'accomplit. That is the light. Ça c'est la lumière. Of the word of God. De la parole de Dieu. In the day of its vindication. Dans le jour de sa confirmation. Now, this is what is in my heart that I hope that
we can enter into fellowship together. Maintenant, voici ce qu'il y a dans mon cœur où j'espère que nous allons entrer dans la communion ensemble. To an understanding of this. Et nous pouvons arriver à la compréhension de ceci. Because it applies to us all. Parce que cela nous importe, nous tous. Every single one of us. Tout un chacun de nous. This word applies to us. Cette parole s'applique à chacun de nous. There's none of it. None of us that are free from it. Personne d'entre nous n'est libre de cela. And this is what God said. Voici ce que Dieu dit. He spoke through our messenger. Il a parlé au travers de notre messager. And I'm referring to the message God's word calls for total separation from unbelief. Et moi je parle du message, la parole de Dieu appelle une séparation totale de avec l'incrédulité. Now let's just think for a moment. Maintenant pensons un peu pour un moment. God's word, la parole de Dieu appelle ou exige une séparation totale. So in other words, God said, en d'autres termes, Dieu dit, let there be separation. Que la séparation soit. It wasn't a command that he was giving to us. As individuals, ce n'était pas un commandement qu'il nous donnait à nous comme individus. He wasn't saying to you. Il ne te le disait pas à toi. Azalaki koloba yango na yo mokote. You go. Toi, vas-y. Separate yourself. Sépare-toi. Kabwana. From unbelief. De l'incrédulité. Nabozangi kondima. He didn't say it's your responsibility. Il n'a pas dit que c'est ta responsabilité to separate yourself, de te séparer toi-même from unbelief. D'avec l'incrédulité. He spoke his word. Il a prononcé sa parole. He says, let there be a separation. Que la séparation soit. Because that's the way God does things. C'est comme cela que Dieu agit. Et zali bongo ndenzambe asala kabakambo. He called for the separation. Lui, il a appelé la séparation. When he saw you, quand il t'a vu, no matter at what station, peu importe où tu étais, you were in life. Tu étais dans ta vie. He looked on your life. Il a regardé ta vie. He looked on your person. Il a regardé ta personne. He looked on your situation. Il a regardé ta situation. And he called for separation. Et Dieu appela la séparation. He said, let there be a separation. Il a dit que la séparation soit. Alléluia. Alléluia. It wasn't something that I was going to perform. Ce n'était pas quelque chose que moi j'allais faire. It was something that he was going to perform. C'est quelque chose que lui allait faire. I will separate you. Je séparerai. Nakokabola. Because God's words called for it. Parce que c'est la parole de Dieu qui appelait que ce soit. He's been separating from the beginning. Il commençait à séparer depuis le commencement. He always separated. Il sépare toujours. God uses separation. Dieu utilise toujours la séparation. God's method is separation. La méthode de Dieu, c'est la séparation. God planned the separation. Le plan de Dieu, c'est la séparation. Aussi longtemps que la parole de Dieu dit, il a planifié de séparer ici Coca-Cola. De nous séparer de ce monde. All that peace to me. Toute la paix qu'il y a en moi. That joy to me. La joie en moi. It's not my burden. Ce n'est pas mon fardeau. It's his burden. C'est son fardeau à lui. He spoke the word. Lui, il a parlé la parole. And the word will come to pass. Et la parole s'accomplira. Il
Because God's a separator. C'est Dieu qui sépare. Zambe dazali kokabola. If we can understand this, si nous pouvons comprendre ceci, we will not be shocked. Nous ne serons pas choqués. Or dismayed. Ou nous ne serons pas déçus. The events that are going to transpire in our lives. Des événements qui vont se passer dans nos vies. God has a purpose for you. Dieu a un but pour toi. He has something that he wants to use you for. Il a quelque chose pour laquelle il veut t'utiliser. So if he wants to use you, alors si il veut t'utiliser, he is going to separate you. Il va te séparer. It's his work to perform. C'est à lui de faire ce travail là. Yende asengeli kosala mosala yango. If God called for separation, si Dieu appelle pour la séparation, he called you for separation. Il t'a appelé toi pour une séparation. Because you're part of the word. Parce que tu fais partie de la parole. If we can understand this, si nous pouvons comprendre ceci, we can understand that God final work. Nous pouvons comprendre que le travail final de Dieu, the last thing that God does, la dernière chose que Dieu fait, c'est séparer. Ezali kokabola. I'm going to read. Je veux lire. This is paragraph 20. Ça c'est au paragraphe 20. From God's word calls for total separation. La parole de Dieu appelle une séparation totale. Du lobo na kokabola. Avec l'incrédulité. Na bosangi kondima. Jesus has constantly told us that there is a separation. Jésus nous a constamment dit qu'il y a une séparation. Yes, alors, quand on a besoin de temps, on y a souhaité kokabwana ezali. And we find that in the last, we find that the last thing that's predicted to the human race before the great and final day, when we ascend into the presence of God, there will be a final separation. Et nous voyons que la dernière chose qui a été prédite de voir arriver à la race humaine avant le jour final et glorieux où nous monterons dans la présence de Dieu, il y aura une séparation finale. Tozali komone teloko ya suka e komami yambo na biso komata ko kende liboso na nzambe e kozala bokabwani ya suka. He will separate the sheep from the goats. Il séparera les brebis d'avec les boucs. Akokabola bantaba na bampate. The last thing, la dernière chose, eloko ya suka, that transpires, qui arrivera, oye kosalama, before the great and dreadful day of the Lord, avant le grand jour et final, is the separation. C'est la séparation. So we've got to realize, alors nous devons réaliser, that in God's plan, que dans le plan de Dieu, he is going to start performing separation in our lives. Dieu va commencer à performer la séparation dans nos vies. Zambe akobanda kosala kokabwana kati na bomoi na biso. Une séparation qu'on n'a jamais expérimentée avant. Kokabwana otobika nanu liboso te. We understand in our day. Nous comprenons qu'en notre jour. Kozali kososo la kati na mokolo na biso. God took a man. Que Dieu a pris un homme. Et Nzambe akamataki moto moko. And we know that man by the name of William Marion Branham. Nous connaissons cet homme au nom de William Marion Branham. He took that man and he separated his life.
Il a pris cet homme-là et il sépara sa vie. With great suffering. Avec de grandes souffrances. With great sacrifice. Avec beaucoup de sacrifices. He was separated. Il était séparé. God took him. He took his family. Dieu a retiré sa famille. Zambe alongoli libota na ye. His wife, his baby. Sa femme, son bébé. Mwasi na ye, mwana na ye amuke. He showed him the great cost. Dieu lui a montré le grand prix. Zambe atalisi mutuya munene ya kufuta. Price of separation. Le grand prix de la séparation. Mutuya ya kukabwana. Separation comes with a price. La séparation vient avec un prix. Kokabona eyakana talo ya kufuta. Jesus spoke to us. Jésus nous a parlé. Yes, and he told us. Il nous a dit. Alobaki na biso. I have not come. Je ne suis pas venu. Na yeite. To unite. Pour unir. I have come to separate. Je suis venu pour séparer. Na yeite pona kokabola. Father against son. Père contre son fils. Mother against daughter. Mère contre sa fille. He was going to separate. Il allait séparer. Call out of people. Appeler les gens à sortir. A separation. Une séparation. So he separated a prophet. Alors il sépara le prophète. So he could use that prophet. Pour qu'il puisse utiliser ce prophète là. To separate a people. Pour maintenant séparer son peuple. And we understand. Et nous comprenons. That that's the way that God works. Que c'est comme cela que Dieu agit. So we've come. To this time of dedication. Alors, nous voici en ce temps de la dédicace. We put the labor into the building. Nous avons beaucoup travaillé pour ce bâtiment. We've seen the vision that was in the pastor's mind. Nous avons vu la vision qu'il y avait dans la pensée du pasteur. Take on form. Qui a pris une forme. Et mon ami Ponele. And we see the labor, the love, the offerings of the people. Et nous voyons le travail, l'amour et les offrandes du peuple. We see what that love and that great effort has produced. Nous avons vu ce que cet amour et ce grand effort là a pu réaliser. Tomoni mosala bolingo wana pe makasi wana basali yango eboti. Now we have to take our position. Maintenant, nous devons prendre notre position. Sikawa esengeli toka mata esika na biso to sengeli kozala. We've got to understand that we've been called out. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à sortir. To be a separated people. Pour être un peuple séparé. And it takes each of us this morning. Et que chacun d'entre nous ce matin. To enter in. Puisse entrer. To the plan of God in our lives. Dans le plan de Dieu pour notre vie. Because the purpose of your pastor in having this place. Parce que le but pour lequel votre pasteur a eu cet endroit. Is a place that you can come. C'est pour que vous ayez une place pour venir. To hear the word of God. Pour écouter la parole de Dieu. To let the word of God perform its purpose in your life. Pour laisser que la parole de Dieu puisse accomplir son but dans votre vie. To let the word of God separate you. Pour que la parole de Dieu puisse vous séparer. And if we don't enter in, et si nous n'entrons pas to the plan of God, dans le plan de Dieu, if we don't enter in to the separation, si nous n'entrons pas dans la séparation, if we don't commit our spirits, si nous n'abandonnons pas notre esprit, to
Commit our minds. Abandonnons notre pensée. Commit our hearts. Abandonnons notre cœur. To be separated. Pour être séparés. To let the word of God. Pour permettre la parole de Dieu. De me séparer moi. From all unbelief. De toute incrédulité. If we don't say Father. Si on ne dit pas Père. Perform that separation. Laisse que cette séparation arrive en moi. I would like to read this final statement. J'aimerais lire cette autre citation. God has only one way of bringing light to you. Dieu a une seule manière de vous apporter la lumière. That's when you're ready to separate yourself from all the things of the world. C'est lorsque vous êtes prêt à vous séparer de toutes les choses du monde. All the cares of the world. Tous les soucis du monde. And only cling to God's promised word. Et à ne vous attacher qu'à la parole promise de Dieu. It's a total separation. C'est une séparation totale. Not a halfway life. Pas une vie à moitié. Not just believing what we want to believe. Pas seulement croire ce que nous voulons croire. Not a partial commitment. Pas s'abandonner partiellement. But a total commitment. Mais s'abandonner totalement. A total dedication. Une dédicace totale. From every believer. De chaque croyant. God, you called for a separation. Dieu, tu as appelé une séparation. God, you said there would be a separation. Toi, tu as dit qu'il y aura une séparation. God, you promised me a separation. Dieu, tu m'as promis une séparation. You promised that unbelief. Tu m'as promis de me séparer d'incrédulité. L'incrédulité se séparera de ma vie. Lord, let it be done unto me. Seigneur, que cela s'accomplisse en moi. According to thy will. Que je m'attache à ta volonté. Let this assembly. Laisse que cette assemblée. And beyond this assembly, et au-delà de cette assemblée, let the bride of Jesus Christ, que l'épouse de Jésus-Christ, dedicate herself, dédie-toi, épouse de Christ, to the promised word of God, à la parole promise de Dieu. Let us dedicate ourselves, que nous puissions nous dédier nous-mêmes, to the separation, à la séparation, na kokabwana. It is a total separation. C'est question de séparation totale. We're not to go back into the world no more. Nous ne devons plus rentrer dans le monde. Or have anything to do with the world. Ni rien à voir à faire avec le monde. But to cleave only unto God. Nous devons plutôt nous attacher à Dieu. Jesus is coming after a bride. Jésus vient chercher une épouse. A woman, une femme, a church, une église, Ecclesia. That's separated from the things of the world, qui est séparé des choses du monde, and the cares of the world, et des soucis du monde. She is separated from the fashions of this modern age we live in. Elle est séparée des modes de cet âge moderne. She is separated from the cares and traditions of the churches. Elle est séparée des soucis et des traditions des églises. She is separated only unto God.
Elle est attachée seulement à Dieu. And God is His word. Et Dieu est sa parole. As a husband and wife is one. Et comme le mari et la femme sont un. So does the bride and the word become one. De même, l'épouse et la parole deviennent un. For the word is living through the bride. Car la parole vit dans l'épouse. What word? Quelle parole is living through us? Vit en nous. Not our doctrines. Pas nos doctrines. Malakisi abatote. Not our interpretations. Pas nos propres interprétations. Not the explanations of man. Pas les explications des hommes. But the word that's living through us. Mais la parole qui vit en nous. Is the separating power. C'est la puissance séparatrice que Dieu a parlé. When He said, et il a dit, let there be a separation. Que la séparation soit. And that separation et cela, cette séparation from the world, du monde, from unbelief, de l'incrédulité, living in me, vit en moi, because He spoke it, parce que il l'a and dit, I'm part of His word, et je fais partie de sa parole. And that word, et cette parole, I dedicated myself, je me suis dédié moi, that, that word, à cette parole lives through me, qui vit en moi. That's her credentials. Ça, credentials. Ça, c'est une preuve. That's her identification. Ça, c'est une identification. I could ask you this morning. Si je peux vous poser la question ce matin. How many? Combien d'entre vous would place your life vont placer leur vie in entre ses mains ce matin. God's a separator. Dieu veut séparer. Zambe alingi kokabola. You believe that? Vous croyez cela? Bondimi yango. His word says that He is. Sa parole dit. Liloba na ye ezali koloba. He'll separate you from your sickness. Il vous séparera de vos maladies. Akokabola bino na makono na bino. He'll separate you from tormenting spirits. Il vous séparera de chaque esprit tourmenteur. Akokabola yo na molimo nyonso ezali kotongisa. The spirits that may be tormenting you. L'esprit qui est en train de vous tourmenter. Molimo ezali kati na kotongisa yo wana. He'll separate you from false teaching. Il vous séparera de faux enseignements. He'll separate you from lies. Il vous séparera du mensonge. God spoke it. Dieu l'a dit. Zambe alobi yango. It wasn't our commission. Ce n'était pas notre commission. It was His commission. C'était sa commission à lui. I will separate, saith the Lord. Je séparerai, dit l'Éternel. Moi, j'exigeais la séparation. This morning, ce matin, or maybe afternoon now, ou peut-être cet après-midi maintenant. And I'm sorry if I've been longer. Je sais que ça fait un temps que je parle. But I just want us to understand. Mais je veux seulement que nous puissions comprendre that God's word will perform what He said it would. Que la parole de Dieu accomplira ce qu'elle a dit qu'elle fera. Amen. Before we turn our service, amen, to the pastor. Avant que nous remettions le service au pasteur. How many would like to stand with me this morning? Combien d'entre vous aimeraient se tenir debout avec moi ce matin? And ask God to perform the work d'agir of separation, de performer la séparation dans ma vie.
Father, separate me from the sickness. Seigneur, sépare-moi de toute maladie. Father, separate me from the tormenting spirits. Sépare-moi de tout esprit tourmenteur. Father, separate me from any false doctrine or any lie. Sépare-moi de tout enseignement false. Father, perforce ta parole in my séparation. Let us pray together. Prions tous ensemble. Amen, our gracious heavenly Father. Je prie que tu sépares, Père. Lord, you promised there'd be a separation in my life. Tu as promis la séparation dans ma vie. You promised you would separate me from unbelief. Tu as promis que tu me sépareras de l'incrédulité. You promised that you would call me to your word tu only. Tu m'as promis que tu m'appelleras à ta parole seul. That my life could be totally dedicated to your word. Que ma vie sera totalement dédiée à ta parole. Father, we're here this morning. Père, nous avons écouté ce matin. To dedicate our life. De dédier nos vies. To your plan. À ton plan. To your will. À ta volonté. Perform your work in me. Agis selon ta I'm parole en moi. Dedicating myself. Que je me dédie moi-même. Along with this building. Avec tout ce temple. To your hand. Entre tes mains. To your word. À ta parole. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus we Christ. Accept the promise of God's word. Nous croyons à la promesse de la parole de Dieu. In Jesus' name. Amen. I'm sorry if I was too long. I tried to go as fast as I could. Thank you. That would make a prayer for the dedication. Okay.